demain, c'est le 28-6. C'est-à-dire que c'est le premier jour du Nouveau Monde, c'est un truc de fou quand même. On les passe tous, d'ailleurs, par à zéro. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis sorti en page 3, le 9 décembre. Depuis dimanche, c'est comme une bénédiction. Et je suis allé à l'église, je voulais mettre une baffe à Ciotti, je ne sais pas pourquoi. Et je suis tombé sur un article du 28 décembre. Mercredi 28. Mais demain, c'est mercredi 28-6. Tu vois, ça fait un peu trop de coïncidence. Alors moi, je suis mort de rire. T'imagines ? T'es l'éternel, il prend vie. Devient Christ rédempteur. C'est le jour du jugement premier. On est pas tout recommence. C'est fini le mandat pognon. On mange tous pareil, on a tous à trou au cul. Il y en a qui chient sur un shot en or massif et d'autres qui n'ont toujours pas de papier. Donc on va remettre le pendule là. On va réparer 2017 ans de conneries humaines, en gros. Mais avec l'uranium et toute leur saloperie radioactive, là, des milliards d'années. Là, moi, j'étais content. Alors, peut-être que j'aurais quand même droit à ma Vierge Marie. Ça fait quand même 9 ans que j'ai pas touché une bonne femme. Depuis que je me suis marié au Maroc. Le soir de la lune d'Annonciation. Le soir de pleine lune. Et Mimi. Elle est d'Ifrane, c'est là où il y a la cascade de la Vierge, et il y a le même petit train qu'à Nice. Tout un tas de trucs. Hein. Ce matin, j'ai raconté ça, j'étais au yoga, j'ai fait du yoga avec mon psychologue. Mardi dernier, j'en avais pas fait, j'étais parti, et il y avait une manif, il y avait la CGT, mais maintenant c'est le CGT, c'est le Conseil Galactique Temporel. Je te jure, ça prend vie, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que demain, c'est le premier jour du monde nouveau, on repart à l'an zéro. Imagine-toi. Conjugateur galactique temporel. Le mec qui conjugue le temps. C'est pas un truc de fou.